La parole est à Monsieur Jean-Hugues Ratonon pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, trois jours à La Réunion. Accompagné de quatre ministres, d'un paquet de conseillers, de collaborateurs, de médias nationaux privilégiés, mais surtout de 400 militaires, de forces de l'ordre, de drones, d'hélicoptères pour quadriller le terrain. Du jamais vu pour ce genre de visite. Les journalistes réunis ont été méprisés. Certains ont boycotté votre opération de com' dès le deuxième jour. Vous êtes arrivé en fanfare, mais vous êtes reparti en missouk comme un enfant pris la main dans le pot de confiture. Mépris des élus, vous êtes rendu dans la ville de Saint-Joseph sans inviter ni même prévenir le maire et la députée de la circonscription. Vous perpétuez ainsi la relation du dominant dominé. Quant à nos préoccupations, 10 millions pour l'agriculture, totalement insuffisant pour tout l'outre-mer, mais rien sur l'autosuffisance alimentaire. 60 millions pour deux lycées, du réchauffé déjà servi en décembre 2022 par votre ministre, mais rien sur l'inclusion des élèves porteurs de handicap. 30 millions pour la mobilisation des ressources en eau, soit moins de 7% du budget global, mais rien sur le rendement, la distribution, la qualité, surtout rien sur l'allègement des factures d'eau, rien sur la cherté de la vie, rien pour le pouvoir d'achat, rien pour le maintien à domicile des personnes âgées, rien sur la révision du coefficient géographique, la santé, rien pour l'emploi des jeunes, rien pour nos petites entreprises qui souffrent, rien sur les conséquences de votre réforme des retraites en Outre-mer. Vous ne pouvez pas fuir comme cela vos responsabilités. Rendez-vous le 8 juin et nous allons stopper ici, dans cet hémicycle, votre réforme qui ne sert à rien. En revanche, Madame la Première Ministre, dans le cas du SIOM, qui tarde à venir, êtes-vous enfin prête à prendre en compte nos propositions pour le développement des Outre-mer ?